Voici la Speedcross 4. Donc, on peut voir ici qu'elle a quand même pas mal subi. Comme je le disais, j'ai fait à peu près 800 km avec. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est surtout le mèche qui commence à avoir des trous. Hop, ici, de chaque côté. Après, ça dépendra aussi de la forme de votre pied. C'est vrai que j'ai un pied qui est un peu large, donc c'est normal qu'à cet endroit-là, ça parte un petit peu. Donc ici, protège-pierre, nickel, il est en bon état. Il a bien fonctionné. Et les crampons en dessous qu'on peut voir, et bon, ils commencent à être bien usés, mais après à 800 km, je trouve encore que ça reste vraiment acceptable. Le talon, donc ici, qui absorbe bien les chocs. Comme j'ai problème de cartilage au niveau du genou, et bien ça m'a bien sauvé la vie. Voilà, ben c'est une très bonne chaussure, un peu lourde peut-être, mais par mauvais temps, c'est vraiment excellent. Aucune glissade, rien du tout. Donc moi j'ai beaucoup apprécié, et d'ailleurs j'ai acheté une nouvelle paire. Voilà, ce sont les anciennes, mais j'en ai acheté une nouvelle.